Rencontre d'entrepreneurs vous est présentée par le CIC. Parce que le monde bouge. Bonjour à tous et bienvenue dans Rencontre d'entrepreneurs. Cette semaine, coup de projecteur sur la librairie de Sitre qui fête ses 111 ans. Fondée par Henri de Sitre en 1907, la société lyonnaise ne compte alors qu'une librairie située à l'adresse historique du 6 place Bellecour à Lyon. Quelques années après, l'entreprise est dirigée par Pierre de Sitre, le fils. Mais aujourd'hui, c'est Guillaume de Sitre, le petit-fils, qui dirige le groupe depuis déjà 10 ans. L'enseigne compte 350 salariés répartis sur 10 points de vente et elle a su prendre le virage des nouvelles technologies tout en gardant son esprit de proximité. Retour sur cette aventure familiale unique au sein de l'enseigne basée au centre commercial de Lyon-Confluence. Guillaume de Sitre, bonjour. Bonjour Sandrine. Merci beaucoup de nous accueillir au sein d'un très bel écrin, celui de Lyon-Confluence. Alors on est dans une librairie qui fait déjà ses 111 ans. Une belle aventure familiale. Mais concrètement, quelle est la genèse de cette librairie, de cette aventure familiale? Elle est assez simple. En 1907, mon arrière-grand-père a repris une librairie avec son associé, M. Bassereau. Et donc, je représente la quatrième génération de libraires à Lyon et puis maintenant dans d'autres villes de France. Voilà, donc ça s'est fait au fur et à mesure. Sur 111 ans, on fait 111 ans de site cette année. Alors, quel est l'ADN de cette entreprise depuis plus de 100 ans? En fait, ça n'a pas changé. C'est-à-dire qu'en fait, si on réfléchit, l'ADN de Decite, c'est de contribuer au bonheur et à l'éducation des gens par l'accès aux livres et à la culture. Et donc, c'est sûr qu'on ne fait pas du tout la même chose que ce qu'on faisait il y a 111 ans. Mais pour autant, de ce point de vue-là, notre raison d'être n'a pas changé. Alors justement, on parle de diversification du métier. Le métier a changé, les technologies ont changé. Qu'est-ce qu'il a fallu opter comme stratégie pour que Decite soit encore là aujourd'hui? Ce qui est sûr, c'est que les gens continuent à lire et aiment lire. Et ça, c'est, je dirais, la très bonne nouvelle, parce que c'est quelque chose d'important, même titre que la musique ou la danse. Mais c'est vrai que maintenant, il sort 70 000 livres nouveaux tous les ans en France, ce qui est énorme. Et puis, historiquement, les gens venaient d'acheter des livres dans les magasins. De plus en plus, ils les achètent sur Internet. Maintenant, ils achètent du livre numérique. Parfois, ils le partagent. Et donc, Decitre a eu besoin de s'adapter à ces différents changements. Donc, on a toujours un réseau important de magasins, dont ce magasin de Confluence qu'on a créé il y a maintenant 9 ans. Mais on a aussi un site Internet important qu'on a créé il y a maintenant plus de 20 ans. Et puis, on vend aux bibliothèques, on vend aussi du livre numérique avec des partenaires. Donc, on a dû simplement s'adapter à tous ces changements de société et d'utilisation du livre. Donc effectivement, choisir différentes stratégies, se lancer, oser risquer. Quelles sont alors d'après vous les qualités essentielles pour être chef d'entreprise? Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir réussir aujourd'hui en 2018? D'abord, il faut être fou. Mais au-delà de ça, je pense que c'est important d'être passionné, d'aimer ce qu'on fait. Et puis d'arriver à s'entourer avec des gens qui partagent cette passion et de le faire ensemble. Et puis parfois on essaye, ça marche, parfois ça ne marche pas. C'est ça, entreprendre, c'est essayer des choses et rester au plus proche des besoins des clients. C'est-à-dire qu'effectivement, quand les gens veulent habiter en périphérie des villes, c'est important qu'il y ait des librairies en périphérie. Quand les gens veulent acheter des livres sur Internet, c'est important d'être sur Internet. Quand les gens veulent lire en numérique, c'est important d'être présent sur le numérique. Donc c'est tout ça, être entrepreneur. C'est comprendre ce qui se passe et mettre ensemble des équipes pour le faire. Et si on se projette dans l'avenir, quelle serait la librairie du futur, ou du moins celle que vous allez créer, ou celle proposée à vos clients? Qu'est-ce qu'ils vous demandent aujourd'hui? Je dirais d'abord que les clients, ils nous demandent ce que j'appelle les fondamentaux, c'est-à-dire quand ils viennent dans un magasin, d'être accueillis, d'être conseillés, d'avoir le livre, mais c'est aussi potentiellement d'avoir d'autres produits qui sont autour du livre et de la lecture, donc de plus en plus évidemment de la papeterie, mais du jeu jouet, mais des ateliers, des conseils. Il y a beaucoup de gens qui viennent, qui cherchent à écrire et qui veulent des conseils autour de ça. Donc je pense que c'est important de réaliser que il y a de plus en plus de livres et c'est de plus en plus compliqué de savoir qu'est-ce qu'on a besoin de lire. Donc cette notion de conseil et d'accueil est très importante, avec une offre élargie, non seulement en magasin, mais aussi sur Internet et en numérique. Guillaume de Sitre, quels sont les mots-clés qui ressortent de cette aventure entrepreneuriale? Entreprendre, c'est quoi pour vous? Quels sont les mots-clés de votre aventure? Quels sont les mots-clés? Je dirais que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on imaginait, c'est beaucoup plus coûteux que ce qu'on imaginait, mais c'est beaucoup plus riche que tout ce qu'on avait anticipé. Pourquoi? Parce que les projets, on les fait avec des gens, on les fait avec les clients, bien sûr, mais c'est avec les équipes. Et c'est à la fois la difficulté de la chose, mais ce qui en fait aussi le caractère passionnant. Un dernier secret de famille, peut-être?
Qu'est-ce qui fait que chez De Citre, on réussit? Est-ce que votre grand-père ou votre papa avait un petit mot-clé, une recette en affaires pour se passer de famille en famille? C'était quoi le secret de famille? Bien être, pour être un bon chef d'entreprise, pour réussir. Non, mais c'est vrai que comment dire, De Citre a démarré une petite librairie Place Bellecour avec quelques personnes. Aujourd'hui, c'est 400 personnes, c'est 10 librairies, un site internet, tout ce qui va autour de ça. Mais je pense que un des secrets non dits, parce que ça ne fait pas partie des choses qu'on se disait, c'est simplement de travailler, de croire à ce qu'on fait et de donner le temps au temps. Voilà. C'est-à-dire que les choses se font, mais avec le temps. C'est vrai que quand on a la chance d'être là depuis 111 ans, ben on a des gens qui viennent avec leur maman, mais peut-être que les mamans, elles venaient déjà, ou les grands-mères. Et tout ça, ça fait une sorte d'écosystème qui fait que les gens savent qu'on est là, et on est là dans la durée, pour eux, à leur service. Et je pense que quand les gens comprennent ça, ben on se parle et puis on avance ensemble. Merci beaucoup Guillaume De Citre et très belle continuation à toute votre équipe. Voilà, encore plein de lectures grâce à vous. Ben, merci beaucoup. Très bonne journée Sandrine. Merci. Au revoir. Rencontre d'entrepreneurs vous a été présentée par le CIC. Parce que le monde bouge.